Ce sont les premiers des gilets jaunes de la Manche à qui la justice pourrait demander des comptes. 12 jours après le début de l'occupation du rond-point stratégique de Guilberville, au croisement de l'A84 et de la voie rapide vers Saint-Lô, 8 personnes étaient convoquées ce jeudi matin à la gendarmerie. Motif, manifestation sans déclaration préalable, entrave à la circulation et dégradation de biens publics. Ils cherchent un bouc émissaire et ils nous ont pris nous pour faire peur un peu à tous les autres qui veulent manifester, essayer d'évincer les gilets jaunes. À 8h15 donc, 5 gilets ayant répondu à la convocation pénètrent dans l'enceinte. Ils sont accompagnés d'une avocate bénévole avec le soutien affirmé d'une quarantaine de militants présents. Donc ils sont placés en garde à vue, et t'as eu quoi de plus comme info ? Dans l'heure qui suit, on apprend par différents canaux que chacun s'est vu signifier un placement en garde à vue. Au pied de la gendarmerie, l'incompréhension est montée d'un cran supplémentaire. L'ensemble de la population française qui a manifesté devrait être présent dans les gendarmeries, j'ai envie de dire. Mais là, ça serait pas possible, vous imaginez bien. Les personnes sont actuellement prises en compte sur un volet judiciaire. Un peu plus de 4 heures d'audition avant que le premier des convoqués soit libéré. Samy en sait plus à présent sur les raisons qui l'ont conduit, lui, dans ses locaux. Parce que j'apparais sur des vidéos sur Facebook où je donne des consignes de sécurité. J'appelle pas à manifester, je donne juste des consignes. J'étais le plus impliqué dedans, mais voilà, personne n'avait pensé à gérer la sécurité et c'est ce que j'ai fait pendant 4 jours. Les 4 autres gilets seront libérés au fil de l'après-midi. Doivent-ils être considérés comme les chevilles ouvrières de l'occupation du rond-point ? D'autres convocations devraient se succéder dans les prochains jours. À Guilberville, au plus fort des rassemblements, on a dénombré jusqu'à 1700 gilets jaunes.